Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. C'est une tribale. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, on va parler de... Dinosaures. Ah, de dinosaures. Eh, pas exactement. On va parler de reptiles marins. J'avais promis, puis c'est arrivé. Et aujourd'hui, jour spécial, le jour où on tourne cette vidéo, alors je suis désolé, il y a un orage, donc il y aura peut-être un petit bruit de fond, et puis s'il y a trop de bruit, on arrêtera. C'est l'anniversaire des dinosaures. Aujourd'hui, c'est les 30 ans de Jurassic Park. Du coup, t'es contente? Du coup, cet après-midi, t'auras droit à une glace dinosaure. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler de reptiles marins. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est trop beau. Oui, mais c'est lequel? Je sais pas. Le mosasaur. Alors, attention. Est-ce que c'est toxique, ça? Non, mais arrête avec les couleurs. Oui, c'était une fois qu'il y avait les couleurs toxiques. Ça, c'est fini, ça. Ils font plus, nanou, les trucs machins. Ah, ce n'est pas le mosasaur, c'est le Lord of Abyss. Puisque Nanmu nous a sorti donc cette énorme, hein, j'espère qu'on sera pas hors champ, figurine en deux formats. Donc le Lord of Abyss, qui est donc la version mosasaur fidèle à Jurassic World, avec son socle attitré, qu'on ouvrira après. Lui, il est trop beau. Ah ouais, deux secondes. Et puis la deuxième version, Léviathan. Tout droit inspiré du célèbre documentaire avec lequel j'ai grandi, Walking to Dinosaurs, où il y avait le Liopleurodon. Ils ont repris les teintes du Liopleurodon pour faire celui-là. Je suis comme un fou d'ouvrir celui-là, ça c'est le délire. Si vous n'avez pas vu ce documentaire de la BBC qui est très vieux et qui a mal vieilli, mais il était trop cool, il faut le regarder. Toi tu... Hé, on l'a regardé! C'est vrai ça, t'as vu en entier? Tu te souviens le documentaire avec les dinosaures? Et les petits dinosaures, le Coelophysis, ils mangeaient le machin, le truc, je te rappelle pas, ça valait la peine. Et... J'avais montré une photo de lui. Bah oui, le Liopleurodon. Bah oui, 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 ça aussi, t'as vu une photo de lui avec son socle attitré. Bah tu en as fait quand t'étais petit, lui. Oui. Oui, oui, mais que quand j'étais petit, bah, je me faisais mes jouets moi-même. Et j'avais fait un Liopleurodon en peluche. Non, mon préféré du socle, là. Ouais, attends, on va ouvrir. Ah, par quel tu veux commencer? Tu veux commencer par... Non, mais pas... Tu veux commencer par le mosasaur normal ou le mosasaur Liopleurodon? Oui. C'est-à-dire celui-là? Non, l'autre. Du coup, ça sera ce socle-là. Et si on ouvre l'autre, c'est ce socle-là. Moi, je veux ce socle-là. On commence par le Liopleurodon. Cool. C'est parti. Alors, bah, toi, tu peux ouvrir ça. Mm-hmm. Oh, tu apprends. Tu vas me dire c'est lourd. Pas du tout. Pour moi. Comment tu l'ouvres? Bah, comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Dun. Vas-y, vas-y, prends le coup. Oh. J'ai dit que c'était lourd. Oh. Voilà. Ah, j'attends, je vais aller chercher la bête. Est-ce qu'il est lourd? Tiens, tu peux présenter les petites cartes. Déjà. Et maintenant, on attaque le bestiau. Hello. Oh. Yes, moi qui fais, c'est mon jouet. Oh. Oh. Alors. Oh, il pique. Ouais, il est beau, hein. Tu sais pas comment te sortir. Non. Je t'aide. Hein. Ouais, oh. Attends. C'est bon, tu vas réussir. Oh. Tiens, attrape le poisson. Oh, mais je mâche. Comme... Warning! Essayez de me sortir de là. Si. Wow. Il peut manger toute la maman. Ouais, les dents sont petites. Hein, voilà, j'ai que j'arrive plus à causer. Et normalement, ça doit se mettre quelque part comme. Comme. Ouais. Ouais, pardon. Je suis sûr qu'on est hors champ. Oh, on n'arrivera même pas à mettre quelque part.
Et je dis, après, on trouvera la place. On va pas se prendre la tête avec ça maintenant. Ah. Wow. Alors, il s'agit de la... Oh, c'est la deuxième version du Mosasaur Shinanmu qui a fait déjà la figurine, qui n'avait pas de socle, c'était très dommage. Ensuite, on a W Dragon qui a fait en officiel le Mosasaur. À peu près la même idée. Il était... Je crois qu'il... Non, il était moins arqué sur un socle similaire. C'était très beau, très joli, les dents étaient très fines, beaucoup plus fines que celle-ci. Mais il faisait un peu trop, enfin l'aspect faisait trop résine, ça fonctionnait pas là du tout, c'est pas du tout le même aspect. Oui, ça pique partout. Ah, une petite tache de peinture là, c'est pas grave, je rattraperai. Mais alors le paint, par contre, ça c'est space. Moi je suis comme un fou. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise de ça? C'est des champignons. Non, c'est pas. C'est des coraux, c'est pas des champignons. C'est pas grave. Et on a la tête de l'Indominus Rex qui est juste là, histoire de faire un rappel. Oh, l'œil. Oh, les yeux sont sadiques, comme d'habitude. J'adore. C'est grandiose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est... Alors, on peut acheter soit sans le socle, soit avec le socle. Mais bon, si vous l'avez sans le socle, hein, ben, donc on peut le suspendre au plafond. C'est qu'il est aérien, c'est ça qui est plus joli. Oh, mais la vache, le dessous aussi. Ce petit corail. Des coraux, un corail. Attends, faut que j'arrive à le remettre maintenant. Normalement, ça va se mettre tout seul. Faut juste trouver le bas. Oui, ça va tout seul. Ça va tout seul. C'est magnifique. Il est magnifique. J'adore ce côté gris, noir et blanc là. Mais c'est. J'ai demandé à Nanmu qu'il fasse les yeux un peu plus verts pour coller avec le Lioplerodon de Walking to Dinosaur. Ils ne l'ont pas fait. C'est un peu dommage parce que les yeux verts pétants, ça aurait apporté plus de charisme. Bon, ça, c'est du détail. C'est génial. Bon, on va ouvrir le deuxième tout de suite, hein, on y va, hein, parce qu'on en a deux. Du coup, attends, faut que je trouve la place. Je te le mets de ton côté? Et voilà, attends. Ça fait une tonne. On le met là comme ça. Voilà. Alors, voilà. Hop. Donc, est-ce que c'est le même socle? Non. Oui et non, c'est le même socle, mais peint de manière différente. Pour l'autre version. Pas la même chose de couleur là, pas la même chose de couleur là. Et le rocher n'est pas la même couleur non plus. Tu montres les autres petites cartes? Est-ce qu'elles sont différentes, les cartes? Ben oui, hein. Non mais tournez dans le bon sens. Oui, on peut le mettre là. Là, on peut le mettre. Bien sûr qu'on pourra inverser les socles. Ça, c'est à condition qu'on garde les deux parce que c'est pas l'idée, hein. Tiens, chope le poisson. Tu le tiens bien. Mais comme il est grand. Ouais, il est beau. Attends. Je l'avais en premier sommeil. Incroyable. Bah du coup, on a commencé par mon préféré, donc celui-là, c'est moins waouh. Hein. Il est beau, hein, mais... C'est quel ton préféré? Merci. Pour une fois qu'on est d'accord. Alors, sur le socle. Départ. On s'installe correctement, tu te remets correctement. Hop. Moi, j'aime bien les deux. Ah ouais, forcément, il fallait que ça arrive, cette blague. Tchac, on l'installe bien. Hop. Tchac. Boum. Et voilà. Il tourne sans le toucher. Attends. Ah, baisse la tête. Wouhouhou. Comparé à la première version, c'est quand même un sacré. Ah, bah c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait l'œil vert. Bah oui, pardon. Oui, celui-là, il a les yeux verts. Donc, s'ils ne pouvaient pas faire celui-là avec les yeux verts aussi. Puisque c'est une édition différente. C'est plus vert. Lui, il a plus les yeux jaunes. Mais du coup, celui-là serait plus joli avec les yeux de l'original. Ça, c'est. Bah voilà. C'est côté designer qui parle. Ça. Non, lui, les yeux bruns. C'est brun jaune et ça c'est vert jaune. Ok? Mais il est. Alors il est beaucoup mieux, beaucoup plus réussi que la version d'origine, franchement. Et à choisir celui-là, entre celui-là et le W Dragon. C'est pas la même mâchoire. Ici c'est la même mâchoire, mais ça c'est pas la même mandrague, c'est pas fait la même couleur, tout est peint différemment. Tu te souviens celui qu'on avait, qui avait aussi un socle avec des ammonites, le socle était immonde, on aurait dit un gros tas de merde. Il y avait le requin devant. Qui faisait l'échelle. Tu te rappelles? Comment il était? Il est plus joli, celui avec le requin, vu qu'un requin va me dire celui-là,
Ou celui-là, c'est lequel le plus joli, si tu arrives bien à te souvenir. C'était la tortue. Il y avait aussi une tortue. Oui, non, mais ça n'avait rien à voir. C'était une statue de tortue d'un petit artiste. Oui, mais c'est pas la même chose. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ben, je te garantis que celui-là est bien plus réussi que le W Dragon. Bien, bien, bien au-dessus en termes de qualité. C'est somptueux. Et donc, le socle est différent. On a un caillou qui est peint de façon différente, on a des coraux qui sont peints de façon différente. Le crâne, c'est aussi un poil différent. Après, voilà, il y en a qui vont dire « j'aime pas du tout le socle brun comme ça ». Ce que je peux comprendre. Après, c'est les Asiatiques, ils préfèrent avoir des trucs comme ça, ça ressort, mais après, un coup de peinture, c'est noir, c'est réglé, hein, il n'y a pas de quoi s'exciter. C'est assez facile à le faire, peut-être que d'ailleurs je vais le faire aussi, mais wow, il est magnifique. Alors, entre les deux, lequel préfères-tu? Moi, c'est un petit peu entre les deux, c'est les deux mes préférés. C'est les deux tes préférés? Non, mais ça ne nous arrange pas. Mon seul préféré, c'est bien parce qu'il y a le petit coraux bleu. Corail. Oui, mais alors si c'est ça, on change les socles. Non, mais ça ne va pas le faire. Il est magnifique. Et bientôt, il y aura, parce que je vais vous la présenter quand elle arrivera, la statue. Édition limitée du Mosasaur par Nanmu. Et donc, il faudra faire des choix. Alors, je sais que certains sont déjà au courant dans ma communauté et m'ont déjà mis une petite liste d'attente sur les pièces. Rassurez-vous, je vous avertirai le moment venu et par ordre de demande, hein, par respect, je préviendrai les gens dans l'ordre pour savoir lequel. Mais là, je me suis pas, je sais pas, il faut que j'essaie de déplacer. Waouh, je suis bluffé. La texture, c'est la même sur les deux. Elle est absolument magnifique. Les membranes, l'intérieur de la bouche, la gueule. Les dents, je trouve... C'est où les membranes? Les membranes, c'est là. C'est les membranes de Bamine. Les dents sont très, très bien réalisées. Hein. C'est très propre, c'est nickel. Mais je me souviens que l'ancien avait des dents un poil plus jolies. C'est tout. Il y a un petit peu les dents chaudes parce qu'il ne se brosse jamais les dents. Voilà. Ah, c'est superbe. Il est magnifique. La peinture sur le socle est plutôt bien exécutée. Le socle est toujours un peu en deçà, mais là, ça va mieux. Le truc le moins joli, c'est le crâne. Qu'est-ce que t'en penses? Sur les socles. Les coraux sont bien faits. La pierre est plutôt bien faite. Ça fait vraiment pièce... Je l'ai passé, mais il est lourd. Hein. C'est ton côté, ça c'est mon côté, oui, voilà, j'étais sûr. Ça fait pièce de musée, pièce muséum. Je trouve ça assez propre. Ça vraiment. Ça a beaucoup de. Il ouais, faut bien l'installer, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça. Ah ouais. Si vous avez le sol qui n'est pas plat chez vous, c'est juste l'équilibre. Alors là, il tient bien, celui-là. Ah non, c'est pareil. C'est juste. Donc, ce que je vous recommanderais, là, je viens de le voir, pâte à fixe. C'est génial, la pâte à fixe. Une petite pointe de pâte à fixe là, histoire de le stabiliser un poil au cas où. Pas qu'il nous fasse une descente de ski tout seul, le garçon. Ça serait... Et ben exactement, non, mais ça serait quand même un peu ballot. Mais le dynamisme est incroyable, les détails sont incroyables. Est-ce que celui-là est accurate? Il est accurate, c'est tip-top. Est-ce que celui-là est beau? Il est beau, c'est magnifique. Si tu veux l'avoir de ton côté, on change de scène. On va faire ça tout de suite. Juste histoire de voir. Hop. Si l'autre socle est plus joli. Mais en général, ça a été pensé d'une certaine manière. Ah, attends, voir. Hop. Ah, oh, c'est vrai qu'il est beau celui-là. Ah non, alors celui-là sur ce socle-là, il est beaucoup... Non, ça va pas. Tu vois, le bleu est bleu. Ça fonctionne pas. Alors que celui-là, ça pourrait fonctionner sur ce socle. Celui-là, oui. Mais... Je le vois pas très bien. Attends, je te le tourne. Tu vois? Mais ouais, quoique, c'est mieux d'origine. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Pour une fois, ça nous évitera de faire du chichi à la maison. Hop là! Tchac! Je peux remporter l'un des deux. Porte celui-là. Ils sont même pas trop lourds. Non, ça va, c'est pas trop lourd. Le socle est beaucoup plus lourd. Mais s'il était plus lourd, il y a... Bref, s'il était plus lourd, il y aurait un problème d'équilibre et puis il tomberait en avant. Regarde, tu vois, parce que l'équilibre est là, hop, et puis il glisserait. Tu vois le problème? Comme ça, il faut qu'il soit bien stable. Mais c'est vraiment, au niveau des détails, c'est superbe. La peinture, c'est superbe.
Petite déception, j'avais dit sur les derniers Nanmou, là, là, t'as quelque chose à dire, toi? Pas trop, hein, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu préférais que la base soit en noir, toi? Ou ça va, l'aspect bois comme ça? Ça dérange pas. Ça ne te dérange pas. Très, très, très bien. Qu'est-ce qu'on ajoute à ça? C'est juste grand. Est-ce que c'est un beau cadeau d'anniversaire pour les 30 ans de Jurassic Park? Ah, oui, c'est grandiose. Du coup, J'aime bien voir que des dinosaures à la maison, rien d'autre que des dinosaures, mais quand même un petit peu de papillon. tu veux que des dinosaures sur trois étages? Je connais quelqu'un qui va péter un câble. Ah non, elle adore ça aussi. Pense à papa, il a besoin d'avoir des épées à la maison et deux, trois vaisseaux Star Wars et puis deux, trois autres trucs quand même, faut pas déconner. Et puis des Skeksis! Et des haches. Il faut que trois choses à la maison. Et des crayons. Ouais, bah tu vois, voilà, t'es comme moi, on est foutu. Du coup, alors, c'est lequel ton préféré? Est-ce que c'est un peu évolué? Ou tu sais toujours pas? Toujours pas, c'est les deux. Bon, bah c'est la merde. Bah c'est sur ça qu'on va terminer. La vie est belle. Mais le problème,